Salut les petits Girondins, c'est le moteur Girondin. Et je vous fais une petite vidéo là pendant ce confinement. Vous voyez que je suis pas sur la 636, je suis sur la fameuse GPZ, la vieille moto. Faut la faire sortir un petit peu la vieille. Non, voilà, je vais vous faire. J'espère que les petits plans vidéo vous ont plu. Voilà, j'ai voulu faire un truc sympa pour la GPZ 500. Il y a beaucoup de monde qui voulait que je fasse cette vidéo, donc voilà, je le fais pour faire plaisir. Aussi, j'ai une annonce à la fin. Donc j'espère déjà que le confinement se passe bien pour vous. Que tout ça ne reporte pas vos projets, c'est très important d'aller au bout de ces projets, d'avoir des objectifs dans la vie. Je le refais, objectif dans la vie. Avec cette année 2020, comme je disais, il faut vraiment, toute la frustration qu'on a eue dans cette année, parce que tout le monde a eu des frustrations cette année hein, avec tout ce qui s'est passé, eh ben faut le transformer en force. Donc voilà, revenons sur la vieille. Je la respecte pas la pauvre, la vieille. Ouais, 92, elle est plus vieille que moi, quoi. Ah, je dirais pas mon âge. On est sur un bicylindre. Il y a 8 valves, je crois. Si j'ai pas n'importe quoi. Donc, c'est un bicylindre qui a beaucoup d'allonge. Énormément d'allonge. Qui monte beaucoup dans les tours, en fait. Un peu comme un 4 cylindres, en fait. Mais bon, c'est un bicylindre à l'ancienne. Hein, ça tape bien à bas régime. Ça broute, hein, ça broute bien. On est sur une moto qui fait presque 200 kg avec les pleins. 18 litres de réservoir. On peut faire 300 km. Donc c'est pour l'époque, c'était un chameau. On est sur 60 chevaux. On est sur une base de UR5 améliorée en fait. Elle est très basse en selle. On est sur quelque chose d'assez bas en selle. Donc c'est très cool pour les petits comme moi. Il y a un robinet d'essence à l'ancienne quoi. Où elle est un peu évoluée pour son époque. Évoluée pour son époque, c'est les leviers. Ils sont réglables. Et en plus sur le bouchon du réservoir, il tient. Il s'enlève pas, donc ça c'est cool, il se soulève. Donc ça c'est cool pour l'époque, franchement de 92 je m'attendais pas à ça. Sinon voilà c'est une moto correcte hein, pour rouler. Elle reprend bien comme vous voyez, hop. Bon le compteur hein, c'est vieux, hein. Il y a le neutre, clignotant gauche, clignotant droit, problème moteur et plein phare voilà. En plus les phares c'est faut le rajouter en plus, tu peux en fait on peut faire on-off. Voilà, on choisit si on veut les mettre ou pas. La moto, je vais la vendre celle-là aussi. Voilà, je vais vendre cette moto aussi. Donc, si vous êtes intéressé par cette GPZ, hein, comme je vous dis, je l'ai très bien retapée là, vous voyez, elle marche très bien. Le carbu est passé aux ultrasons. À la 59 km, le carbu est passé aux ultrasons. J'ai fait une purge des freins avant, j'ai changé les leviers. Mais ça, c'est d'origine. J'ai changé les leviers. Voilà, je l'ai bien restauré. Pour son âge, elle est en très bon état. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé pour me racheter cette moto, je préfère qu'elle soit chez un abonné. Je compte sur vous. Voilà. Si vous êtes intéressé, vous mettez un commentaire sur YouTube ou soit vous me contactez sur ma page Facebook, Le Motard Girondin. Il y aura tous les liens dans la description. Voilà. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et bon confinement. Et à la prochaine. Et un gros V. Bon, je viens de passer par la piste là. C'est devenu une déchetterie. Regardez-moi ça là. Là, je filme de ma GoPro. C'est une déchetterie. Tous les gitans sont là. C'est triste. Hein. C'est triste que ça finisse comme ça. J'espère qu'un jour, elle va rouvrir au beau jour.